Coucou les amis, bienvenue pour votre guidance de ce week-end, donc du 19 et 20 février 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors, une petite note, donc demain je posterai les vidéos, donc deux vidéos pour tous les signes pour la semaine prochaine. Donc il y aura une première vidéo du Verseau au Cancer et une deuxième du Lion au Capricorne, les amis. Donc ça va être rythmé par l'action, clairement. Donc voilà, et puis à partir de la semaine prochaine, je mettrai en ligne les vidéos pour le mois de mars pour tous les signes, les amis. On va voir ce que ça réserve tout ça. En tout cas, merci d'être là, merci de votre fidélité, merci de votre soutien, merci pour tous vos messages. Merci infiniment, les amis. Et puis, bah, écoutez, bah, on y va, hein. Donc gardez votre bon discernement, hein. C'est une guidance générale. J'espère, dans tous les cas, que les guidances vous aident, vous font du bien, vous amènent à une réflexion. Donc voilà, c'est parti les amis, on y va pour ce week-end. Allez, qu'est-ce qui se trame? On va aller faire ça tout de suite. Allez, on y va. Donc le 19 et 20. Allez, pour votre week-end. Quelle va être la météo, les amis? On vous parle d'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Bon, moi je sais qu'on n'aime pas ça, mais visiblement, on vous parle d'attente. On vous parle d'attente et aussi de lâcher prise dans cette situation avec cette personne. On vous dit que c'est la clé de la réussite. Donc, lâcher prise sur quelque chose que vous voulez intensément, qui vous plonge dans l'attente. Bon, allez, vous allez préciser la carte. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails, s'il vous plaît, par rapport à cette attente? Par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, par rapport... ouais, ça peut être... un déplacement ou peut-être que vous attendez que quelqu'un se déplace vers vous. Là, visiblement, on parle de mouvement, on parle de voyage. Dans cette carte, on a cette notion. Peut-être justement, avez-vous envie de partir quelque part? Avez-vous envie de vous déplacer, aller voir quelqu'un? Ou alors, vous êtes dans l'attente que cette personne vienne vers vous, fasse ce voyage vers vous. Ok. Bon. On va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça, les amis. Allez, c'est parti. L'attente pour un long voyage. Je pense que là, on a tous besoin de... Hein? Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont envie de faire leur valise et prendre le premier avion qui passe. Coup de soleil. Allez, on y va. J'en ai trop là. Allez, qu'est-ce qui domine aujourd'hui? Qu'est-ce qui domine? On a un roi d'épée à l'envers. Roi d'épée à l'envers. Bon, il y a cette notion de ne plus chercher à comprendre, de ne plus analyser, de ne plus faire d'efforts dans une situation. On attend. On attend, mais on ne fait plus d'efforts, on ne met plus de moyens en œuvre, on n'investit plus ce week-end. Alors peut-être que vous arrêtez d'attendre justement. Il y a peut-être un déplacement, un mouvement que vous vouliez faire. Puis visiblement, ce week-end, ben, on lâche prise sur cette situation. On arrête de s'investir, on arrête d'attendre, on arrête de mettre de l'effort là-dedans. Qu'est-ce que c'est le défi? Le défi, bah écoutez, c'est d'arrêter d'être dans l'attente d'un bouleversement, d'arrêter d'être dans l'attente que quelque chose vienne tout chambouler. Peut-être que c'est vous attendez, hein, c'est ce que vous attendez. Vous attendez qu'il y ait quelque chose qui vienne pour surprendre, qui arrive d'une manière soudaine, qui arrive d'une manière aussi bouleversante. On vous dit de ne pas vous attendre à un bouleversement dans cette histoire. Il y a cette notion, voilà, d'arrêter d'être dans le mental aussi ce week-end par rapport à une attente, par rapport à un déplacement. Vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Mais bon, il y a cette notion quand même de ne plus faire d'efforts, de ne plus nourrir en fait cette attente ce week-end. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Bah oui, vous voulez que la roue tourne, vous voulez
que les choses repartent en mouvement. Vous avez envie de... En fait, vous... Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, on est sur le positif. On n'est pas sur ce que vous voulez le plus. Là, sur le positif, en fait, le fait d'arrêter dans l'attente, d'arrêter, en fait, d'être dans une visualisation où quelque chose pourrait venir vous bouleverser, un peu cette envie de choc, hein, cette envie de choc. Mais là, j'ai l'impression que vous en sortez ce week-end. On dit qu'au niveau du positif, bah, justement, le fait de lâcher prise, ça pourrait justement amener du mouvement et ça pourrait déclencher du mouvement, mais lent, clairement, hein, avec le valet de denier. Et surtout de reprendre en confiance. Reprendre en confiance, en fait. Retrouver de la confiance dans les choses, parce que là, c'est trop incertain. Peut-être que ça ne dépend pas de vous, dans cette affaire. Et puis du coup, ok. Bon, qu'est-ce que vous voulez le plus? Les amoureux. J'ai l'impression que vous souhaitez vous retrouver avec quelqu'un. Vous attendez que cette personne revienne vers vous. Vous attendez qu'elle vienne vous bouleverser, vous chambouler, un petit peu comme dans les films, ouais. Mais ouais, j'ai pas envie de vous casser l'ambiance, ni vous casser votre délire, mais là, clairement, ce que ça me dit dans les cartes, c'est que bah, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, y a vraiment un lâcher-prise, en fait, à opérer par rapport à ça, puisqu'en plus, on vous le dit bien que dans le défi, c'est d'arrêter de penser que cette personne va venir tout bouleverser, quoi. Là, on est plutôt dans une notion de lâcher prise, d'arrêter justement de cogiter, de nourrir en fait ce fantasme aussi peut-être. Et d'arrêter d'investir, d'arrêter de mettre de l'effort par rapport à ça. Ok, on continue. Arrêter de lutter en fait. Là clairement, c'est d'arrêter de lutter. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi? Ouais, on vous dit que cette personne n'est pas dans la capacité de faire ce genre de choses, quoi. On est loin là du chevalier servant. Sur son cheval, voilà, qui va venir, comme on a tous vu, hein, de toute façon, on a tous été baignés dans les Disney où on voyait un chevalier arriver, vous sauver, venir tout flamboyant et vous sortir d'une misère, mais non, bah non, bah non, pas ici, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du positif? La lune inversée, bah voilà, arrêtez de sortir d'illusions, hein, parce que la lune, c'est ça. Hein. La lune, c'est ça, c'est les illusions, c'est se mettre un petit peu dans un état un peu d'ombre, on est en ces fantasmes, ces illusions, on essaye de nourrir une idée, de nourrir une image qui, au final, bon, bah, hein, en attendant, il ne se passe pas grand-chose, et puis voilà, ça crée de la frustration, ça crée aussi des états un peu de déprime. Donc, arrêtez en fait de nourrir en fait ces illusions vont pouvoir vous faire que du bien en fait finalement, hein. Vous permettre justement de créer des vrais mouvements, de créer du vrai concret dans votre vie. Allez, qu'est-ce que vous voulez le plus? L'impératrice. Vous voulez être toutes les reines en fait. Vous voulez être toutes les reines, vous avez envie de vibrer, vous avez envie. Ben là, c'est comme ça que je la vois, l'impératrice. Vous avez envie d'être la reine de bâton, la reine de coupe, la reine de denier et j'en ai oublié, et la reine d'épée. Voilà. Vous voulez maîtriser, vous voulez séduire, vous voulez tout en même temps, en fait. Vous voulez de l'amour, vous voulez du piquant, vous voulez de la passion, vous voulez. Ouais. Vous avez envie d'une belle histoire d'amour, vous pensez à quelqu'un, ou alors vous pensez qu'un homme va débarquer comme ça, mais c'est pas vrai. J'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est un petit peu le conte de fées, mais. Bon. Ok. Bon,
Bon, alors qu'est-ce qu'on peut attendre de ce week-end concrètement? Parce que, ok, si on peut plus rêver, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bah voilà, il faut être plus terre à terre, plus cartésien, femme réfléchie, femme du réel, femme de la terre. Voilà, réfléchir intelligemment. Et bah voilà, on vous parle de la communauté, on vous parle de prendre contact avec vos amis, de sortir, de votre réseau, du bon temps passé, dans son relationnel. On vous parle de chemin du temple pour plus de paix, pour plus de paix intérieure, pour plus de joie, pour plus de sérénité. Là, on est très quand même, je pense, sur des énergies quand même de. Voilà, et puis on a la carte du partir. Là, on avait le voyage ici, puis là, bah écoutez, bah non, quoi. Voilà, on part plus. On part plus, on part plus, on part plus. Femme réfléchie, donc voilà, plus dans le concret, plus dans le réel. On vous parle de profiter avec votre relationnel, vos amis, pour gagner en joie, pour gagner en paix, pour gagner en sérénité, pour gagner en bonheur, les amis. Et puis, bah, écoutez, les choses se feront à point nommé, j'ai envie de vous dire. Voilà, on vous dit quand même que vous êtes apprécié, qu'il y a quand même un certain équilibre dans votre vie, même si pour l'instant, pour certains, au niveau du cœur, bah voilà, on se sent pas comblé. Peut-être que la personne que vous attendez justement, c'est pas du tout une personne qui est, ouais, que si à l'envers. Soit vous attendez une personne là clairement, ou soit vous attendez que quelqu'un, quelque chose vienne vous chambouler, vienne vous bousculer un peu dans votre vie. On vous dit que bah voilà, pour l'instant, non. En tout cas pas pour ce week-end. Hein. Ce qui nous sauve, c'est qu'on est sur des énergies quand même très courtes. On vous parle de ce week-end. Donc peut-être que la semaine prochaine, ça sera autre chose. Maintenant, pour le week-end, voilà, pensez plus à tout ça. On vous parle, voilà, qu'il y a des vraies personnes, par contre, sur qui vous pouvez vous sentir bien, vous sentir en paix et joyeux. Donc, bah, profitez de la vie, les amis. Profitez de la vie et sortez de ces énergies de lune, finalement. Hein? Moi, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Allez, qu'est-ce qu'on aurait comme petit message pour vous accompagner, pour toutes les personnes qui se reconnaîtront dans ce tirage? Qu'est-ce qu'on a? La panthère des neiges. Donc vous êtes une panthère des neiges ce week-end, les amis. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Vous êtes une panthère des neiges ce week-end. Magnifique. Allez, un petit message de l'oracle des amoureux pour vous accompagner pour votre week-end, les amis. On y va. Ah, bah voilà. Eh bah écoutez, ça me fait référence un peu. J'espère que vous regardez les vidéos jusqu'au bout parce que moi, quand je vais voir un petit peu dans les stats, tout ça, je me rends compte déjà qu'il y a 80% des personnes qui regardent les vidéos qui ne s'abonnent pas. Et en plus de ça, généralement, la plupart des personnes ne regardent que la moitié des vidéos. Donc ça, c'est pas cool. Donc j'espère au moins que vous regardez jusqu'au bout parce qu'au début, voilà, ça commence doucement, on cherche à comprendre. Et c'est vraiment à la fin qu'on a le dénouement de l'histoire, qu'on a vraiment la sagesse à en retirer et qu'on a la clarté en fait sur ce message. Donc voilà, j'espère, voilà, petite note pour tout le monde, j'espère, voilà, pour la plupart que vous restez au moins jusqu'au bout. J'essaye de faire des vidéos de plus courtes, hein, parce qu'on n'a pas tous le temps de regarder des vidéos d'une demi-heure. Mais voilà, c'est vraiment à la fin qu'on connaît vraiment l'aboutissement de tout ça, quoi. Donc on vous parle d'un admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. En plus, là, on vous parle de vous attarder un peu plus sur votre communauté, donc les gens que vous connaissez autour de vous. Et on vous parle d'un admirateur secret. Donc peut-être que vous attendez, vous cherchez pas au bon endroit, les amis. Pour moi, vous cherchez pas au bon endroit. Vous êtes dans des illusions de quelque chose, alors que peut-être que la solution, elle est en face de vous, vous ne la voyez pas. C'est peut-être quelqu'un que vous voyez tous les jours, quelqu'un de votre réseau. Qui vous entoure. Et on vous dit en plus que cette personne, on vous parle d'un admirateur secret qui a encore des sentiments profonds qu'il n'a jamais avoué envers vous.
Donc, bah, écoutez, petite note hein, pour tous ceux qui auront regardé cette guidance jusqu'au bout. Ouvrez les yeux, les amis. Il y a peut-être quelque chose qui vous attend ailleurs que là où vous espérez, en fait. Donc voilà. Eh bien, voici, les amis, c'était votre guidance pour ce week-end. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout parlé. N'hésitez pas à me faire des retours. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.